Et c'est le c'est Gringer et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite série et aujourd'hui on est sur un serveur multijoueur. Donc aujourd'hui on est sur Holy Ice, donc des personnes de ce serveur m'ont contacté pour voir si j'avais envie de faire quelques vidéos sur leur serveur pour les aider aussi à se faire connaître. Et j'ai regardé et j'avoue que c'était plutôt pas mal intéressant ce que ce serveur proposait. Ils ont l'air assez sérieux et ça a l'air assez cool. Donc oui, j'ai voulu tester. Et donc c'est pourquoi il y a cette petite série. Donc je vais vous parler un petit peu du serveur et après on commencera la petite série. Donc il faut savoir que sur ce serveur il y a deux modes de jeu pour l'instant. Donc il y a une survie custom, donc voilà qu'on peut faire. On peut faire une survie normale, il y a des biomes un peu différents, etc. Donc quelque chose qui va améliorer la survie en fait, qui va rendre le jeu plus cool. Et surtout le One Block qui est tout nouveau pour eux, qui viennent de le lancer assez récemment. Et en fait c'est un Sky Block, de ce qu'on m'a expliqué, j'ai pas trop voulu me spoiler non plus car j'aimerais bien découvrir. Mais en gros on va spawner sur un bloc, et ce bloc quand on va le casser il va changer. Donc voilà, donc à chaque fois on aura un bloc différent et il y aura des thèmes, par exemple le thème plaine, le thème montagne, et on aura des blocs tout à fait différents à chaque fois. Donc voilà, ça me paraissait hyper cool de tester une série dessus. Donc je me suis dit pourquoi pas. Donc si vous voulez me rejoindre et jouer avec moi, n'hésitez pas. L'IP c'est mc.holyice.fr. Elle est dans la description, donc n'hésitez pas à aller voir, à cliquer. Ils ont même un site internet que je vais mettre aussi dans la description. Voilà, si ça peut vous permettre d'aller vous faire une idée et de ensuite me rejoindre, ce serait assez cool de les aider à avancer sur ce serveur. Et donc voilà, on va se lancer. Hop, on va en one block. Bienvenue, c'est très beau. Je tiens à dire que ce serveur a zéro lag. Si vous voyez des lags sur la vidéo, ça provient de ma vidéo. Donc voilà. Je vous présente Souls, c'est lui qui m'a contacté du coup pour la vidéo. Allez, c'est parti. Voilà, et donc là, on est sur notre bloc. Ok, donc on est sur notre bloc, et là, il nous suffit de casser. Et on a obtenu une cobble. Ok. Alors, qu'est-ce que j'ai aussi à dire? Oui, comme j'ai mon grade de youtubeur, j'ai accès aussi au fly. Donc bien sûr, je n'utiliserai pas pour le jeu, mais ça peut être très pratique pour faire des miniatures et tout, donc... assez sympa. Hop. Ah d'accord, là ça y est, ça commence. Donc là on est dans le thème plaine. Attendez, on va faire ça. Notre deuxième main, on va mettre le seau de lave. On va essayer de pas le poser. Et là on va récupérer des blocs. Donc c'est ça un peu le but du jeu pour l'instant. C'est de récupérer plein de blocs. Pouh lolo, tu m'as fait peur toi. Oh merde, comment on fait là? Me pousse pas. Hein. On va se faire un truc un peu plus long. Comme ça le poulet il pourra aller dessus. Oh punaise, il y a déjà un poulet quoi. J'étais pas prêt. Mais j'avais demandé d'enlever ma mort qui est tout à droite parce qu'en fait je suis pas mort dans le jeu. Je suis mort en faisant une connerie au début. Donc je me suis dit bon, autant l'enlever. Parce que c'était pas dans le jeu quoi, on va dire. Mais bon, c'est pas grave. J'espère qu'il va pas mourir. Ok. Ça, on peut pas le récup. Ah ouais, on a une pousse d'arbre, sympa. Hop. On va mettre ça là. Est-ce que j'ai une hache? Oui, j'ai une hache. Je sais pas si tout le monde a ce kit aussi au début. Hein. Parce que je sais que j'ai un grade youtubeur, donc j'ai certainement d'autres choses. Venez les poulets là. Ça vous fait chier. Ok, donc on a avancé un petit peu. J'ai tenté de faire un générateur à cobble. Donc je place la lave juste ici. Et l'eau, un bloc de ice juste ici. Et ça forme une petite cobble. On va voir si ça fonctionne bien. Depuis mon souvenir, ça a l'air de fonctionner. Pour l'instant, j'ai mis du bois et tout, du coup, c'est un peu le bordel. Mais du coup, on va faire ça un petit peu.
Ok. Ouais, mais là, on les récupère plus aussi. Bon, tant pis. Il va y avoir des pertes, mais on n'a pas le choix. Ça donne même du lapis. C'est génial. Bon, on le récupérera pas. Parce qu'il nous faut du fer. Ok. Bon, déjà, on va rendre un peu mieux ce truc. Hop. Ok, donc là c'est déjà mieux. Voilà, on peut toujours pas. Prochaine, je me fais une pioche en pierre. Et bah ça, j'y clique. Mais, what the fuck? Ok, normalement, il n'y a pas de risque. Bon, là, ça a l'air mieux du coup. Ok. Et là, on en a trois. On va se faire notre petite pioche. Ok, j'ai récupéré du bois et j'ai remplacé. Hop, on va le mettre là, ça. Ah oui, il faut savoir aussi qu'il y a un système de boutique sur Holy Ice, ce qui est très très cool. Donc quand on aura des trucs à vendre, eh ben on essaiera de les vendre, ça peut être grave cool. J'espère que ça vous plaît déjà ce petit début de série. Alors on va beaucoup plus vite là. Alors on se fait plaisir. Du coup voilà. Et du coup on peut continuer à casser ça. Dans le chat, combien vous souhaitez le prix? Pas compris. Oh my god. Ah merde. J'ai que deux fers. Est-ce qu'on peut en avoir avec le générateur? Faire cuire le fer. Voilà. Pour pas que le charbon suisse pour rien, vous pouvez mettre d'autres choses entre temps. On pourrait se faire une pioche. C'était un diamant. J'ai pas rêvé, les amis. Je suis choqué. T'es sûr que c'est un diamant? Donc vous savez quoi? On va faire ça le temps que ça se propage. Hop. Voilà. Et là, on va casser ici.
comme ça on aura de l'herbe. Ça a toujours pas grandi. Et on va pouvoir agrandir notre plateforme, nous. Ce qui est bien cool. Hop, ici on va pouvoir mettre le poulet. Et bah notre premier diamant il a brûlé parce qu'on n'a pas pu le récup. Ça doit être un loot hyper rare et voilà on l'a pas eu. Allez. Yes. Bon, pas si rare que ça du coup. Mais bien cool. Ça s'est propagé. Une grosse vache. Allez, allez. Allez, avance. Je vais peut-être agrandir le truc du coup. Je mettrai plein d'animaux dedans et puis c'est tout. Merde, c'était pas le bon. Oh, j'ai cassé le... Oh, je suis blasé. Je suis dégoûté. Bon, tant pis. C'était où du coup? C'est lui, hein. Bon, on va attendre. Agrandissons notre plateforme. Sentira beaucoup mieux. Yes, on va pouvoir commencer. Ok, c'est bien celui-là. Hop, là, je vais remettre de la terre ici. Ça se trouve, après, on aura une petite touch qui nous permettra de le récup, mais bon, pour l'instant. On ne l'a pas. Ma hache, à chaque fois, je la perds. Ah oui, c'est vrai, j'ai plus de place. On va se vider. Pour éviter de faire des bêtises. Hop, du coup, on a un deuxième chest. On va mettre plein d'autres choses dedans. J'en peux plus de ces vaches. Hop, ça c'est fait. Voilà. Et toi, reste bien là, sinon t'es mort. Voilà, faut être violent. Au bout d'un moment, s'ils comprennent pas. Allez, on va atteindre le chiffre 100 avec celui-là.
Ok, et ben on va essayer d'atteindre la deuxième phase. Pour la vache, c'est fait. Ce qui est bien aussi, c'est que c'est du farm, et moi j'aime bien le farm, c'est... Je sais pas si vous avez déjà eu ça, mais ça me repose. Je me mets tranquille là, et je mine. Et je regarde ce que j'obtiens, c'est trop cool. Oh, un cochon. Et tant pis si la vache elle sort. Qu'est-ce que je fais? Je lui dis tant pis, mais t'allais mourir quoi. Ok, t'es devenu sage. Lui, il s'amuse un peu trop là. Ouh, le biome plein va de 0 à 700. Et ben on va aller jusqu'à la moitié de ce biome plein, je pense, pour ce premier épisode. Donc on va aller jusqu'à 350. Et au moins dans le deuxième épisode, on pourra peut-être beaucoup plus avancer et aller jusqu'au biome taïga. Ça peut être sympa. Cool. Trop bien ça. Hop. Hop. Allez, 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 allez. On n'embête pas le monde. Merci. Voilà, au moins on a deux vaches. Qu'est-ce que j'ai eu? C'était beau le bloc. Je sais pas ce que j'ai eu, mais c'était très beau. Oh, le cochon, il m'énerve. Pas envie. J'avais pas envie, là. Oh non. Il faut une laisse ou un truc comme ça, parce que c'est pas possible. Toi non plus. Pas envie. Comment ça, j'ai entendu un bruit d'araignée, il n'y a rien. Ok, c'était pour nous prévenir, je pense. Pourquoi le bloc, il s'est cassé ici? Je l'ai pas cassé, les amis. Peut-être c'est trop proche. Faudra qu'on le décale. J'ai l'impression que c'est trop proche de la zone de spawn et du coup, voilà quoi. Bah, on la garde, c'est notre pote. Allez, viens là. J'ai l'impression qu'elle a pas réussi à m'attaquer. Tant mieux. On n'a pas de fil. Ça, c'est pas ouf. Ah yes, une laisse. Trop bien. Ça me ferait de la bouffe. On va faire ça juste histoire de foutre le cochon dedans. Si on y arrive. Ah oui, c'est vrai qu'on a une laisse maintenant. On s'est bien habitué sans les laisses. Nickel. Oh là, on a deux de chaque, c'est assez. Et oui, ça fait déjà 40 minutes, plus de 40 minutes que je suis sur le serveur. Et vous, vous avez eu en très court, en une très courte vidéo. Parce qu'il y a beaucoup de farmage aussi. Hein. Ok, il y a une araignée qui va arriver. 3, 4, 5. On est prévenu 5 à l'avance. Et c'est bien ça qui fait despawn le truc.
Ok, au moins ça on le sait. Plouf. Et on est à 350 tout pile. Et donc on va se laisser là pour cet épisode. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu en bas de la vidéo, à me rejoindre sur le serveur, à dire que vous venez de ma part. Ce serait assez cool de votre part. Faut essayer de les faire monter en nombre de joueurs, ce serait grave cool. Et donc voilà, j'espère que ça vous plaît, cette petite série qui commence. C'était Gringer. Salut!